Ambiance des grands jours devant les grilles du centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus à quelques jours du classico entre l'OM et le PSG. Ils sont beaucoup à s'être déplacés en cette période de vacances scolaires pour apporter le soutien aux joueurs de l'Olympique de Marseille avant de défier le leader du championnat. Une question simple leur a été posée. Est-ce que ce match entre l'OM et le PSG reste la plus grosse affiche de la saison pour les supporters de l'OM? Écoutez les réponses. C'est le match. C'est le match à pas perdre, c'est le match où le cœur s'emballe, c'est le match de l'année. Le match de l'année. Est-ce que c'est le match le plus important de la saison pour les supporters de l'OM? Oui, c'est le match le plus important. Parce que, par exemple, cette année, j'ai regardé quand c'est qu'on jouait contre Paris. Non, parce que tous les matchs de la saison doivent être importants. On doit pas lâcher des points contre Angers, on doit pas lâcher des points contre Strasbourg. Tous les matchs doivent être importants. Toutes les rencontres doivent être aussi importantes que celle-là de dimanche. Ouais, si, en tribune, ça reste un match très attendu. Mais il y a aussi l'Olympico qui est un match très attendu. Donc, je ne sais pas lequel est le plus attendu parce que nous, on rivalise bien plus avec Lyon qu'avec Paris. Donc, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça reste deux gros chocs. Alors, depuis quelques années, ça a perdu un peu. Je pense que ça joue plus avec Lyon maintenant. On a, même si Marseille est au-dessus, mais je pense que ça joue plus là-dessus. Après, ça reste le PSG. Le PSG, quoi qu'il arrive, faut les battre. Il n'y a pas d'autre mot, il faut les battre. C'est une semaine un peu particulière. Pourquoi c'est une semaine particulière? Il y a OM Paris. Il y a OM Paris, là. J'espère qu'ils vont gagner, mais ça va être chaud. Bon, après, le PSG, ce qu'ils ont fait avec hier, le PSV, c'était plutôt moyen. Mais je trouve qu'on a plutôt des chances cette année. Niveau climat, les supporters sont passés par tous les états avec un grand soleil puis un bel orage au-dessus de Marseille. Mais ils ont été récompensés notamment par la venue de Mason Greenwood qui a passé quelques minutes avec eux, bravant les gouttes de pluie.